je vous présente 9 innovations totalement incroyables. Un PC transparent, une lampe qui va se comporter comme un petit chien, et même la nouvelle bague connectée de Samsung. C'est parti. J'ai un énorme coup de cœur sur de l'IA générative. Vous connaissez l'IA générative, on le voit aujourd'hui intégré directement dans les smartphones, mais là il y a une solution qui va encore plus loin, c'est MediaTek qui nous la présente. Qu'est-ce que c'est ? L'IA générative, vous connaissez, vous tapez votre prompt, sauf que vous devez à chaque fois venir valider pour qu'une image apparaisse. Aujourd'hui, ils ont une innovation qui est rendue possible uniquement sur le Dimensity 9300, c'est-à-dire que vous allez taper votre prompt et l'image va venir se générer en temps réel sous vos yeux. Vous modifiez et ça va venir se générer en temps réel. Là, par exemple, on va dire un YouTuber à Barcelone sur le stand de MediaTek. Alors bon, c'est pas parfait, mais on reconnaît quand même MediaTek. Sauf que le youtubeur, il a des cheveux gris. Oh, le youtubeur avec les cheveux gris, là, quand même, il a un certain âge avec une caméra de Sony. Donc, vous voyez, alors ça, c'est la représentation que l'IA fait un petit peu de moi. Joli chat avec un chapeau rouge qui utilise un appareil photo dans l'espace avec un arc-en-ciel. Au-delà de gagner du temps, ce qui est déjà très important, on peut être beaucoup plus créatif parce qu'on voit les modifications se faire en temps réel sous nos yeux. Et ça, je dois vous assurer que j'aime énormément. Je vous présente une innovation que je trouve très drôle. C'est une lampe présentée par Xiaomi. C'est la Pipi Lamp. La Pipi Lamp, elle prend vie. Vous commencez par la caresser comme ça, vous voyez. Elle est là, elle est mignonne. Elle vous fait des petits signes de la tête et vous venez la piloter directement avec votre main. Je peux éteindre la lumière, je me mets à distance, elle reconnaît ma main, je ferme, elle s'éteint. J'en mets ma main, je refais comme ça et elle vient s'allumer. Ensuite, elle peut venir me suivre. Je mets comme ça, je fais le signe OK et là, elle va suivre ma main. Il y a un vrai déplacement, vous voyez, sur le haut, sur le côté, sur le bas, là, et je refais le signe OK, et là, elle ne bouge pas, elle est statique. Ensuite, je peux venir de la même manière l'éteindre, je peux ensuite venir la rallumer, et ensuite, j'ai un petit truc qui est aussi assez rigolo, si je lui fais le signe du métal, elle va danser, ça sera la fête. Là, je fais le signe du métal, et là, vous voyez, elle vient s'activer, elle vient bouger. Donc en fait, ce qui est assez marrant avec cette lampe, c'est d'imaginer comment est-ce qu'on peut rendre nos objets encore plus intelligents à la maison. Alors intelligent, pas vraiment intelligent, mais un petit peu intelligent quand même, au travers d'une lampe. Là, c'est une petite lampe de bureau, mais imaginez si vous pouvez faire la même chose avec une grande lampe chez vous, qui pourrait bouger un peu de tous les côtés, ça serait assez rigolo. En plus de ça, ça lui donne un petit côté affectif, comme un petit animal de compagnie, c'est assez marrant, vous voyez, non, là, non, je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça me va pas. Donc, il y a un côté un peu émotionnel avec cette lampe que je trouve assez originale. Je vais vous montrer une technologie que je trouve absolument incroyable. À l'intérieur de ce smartphone, vous allez avoir un capteur d'analyse spectroscopique qui vous permettra de connaître la composition d'énormément de choses. On connaîtra l'hydratation de votre peau, on saura si un gâteau est bon à manger ou s'il est périmé. On pourra venir diagnostiquer du diabète, on pourra même connaître votre degré d'alcool. C'est l'entreprise allemande Trinomics qui la développe. Ce capteur est révolutionnaire parce qu'aujourd'hui, on le voit dans un smartphone, c'est bien, c'est pratique, on va pas forcément faire ça tous les jours. Mais imaginez que vous arriviez à mettre ce même capteur que vous avez là à l'intérieur d'une montre et pourquoi pas à l'intérieur d'une bague connectée comme celle de Samsung, la Galaxy Ring. Eh bien, ça vous permettra d'avoir des informations en permanence sur votre degré d'hydratation, sur votre alcool, bon, c'est encore un autre sujet, sur le diabète, vous pourriez recevoir des alertes directement sur votre smartphone. Donc, il y a vraiment un sujet de santé qui est extrêmement intéressant ici. Au-delà de la santé, on peut également venir avoir des informations sur des gâteaux. Vous pouvez mesurer la fraîcheur d'un gâteau. Vous venez, vous posez votre smartphone dessus et vous saurez si le gâteau est bon à consommer ou pas. Et vous pourrez également savoir quelle est la composition d'un tissu. On va faire la démonstration ensemble. On va venir scanner ce tissu-là. Je le pose, je lance le scan. Je vois que là, je suis sur du polyester. Celui-là, on voit que la matière ne doit pas briller de la même manière. Je lance le scan. Silk, je viens le poser sur mon dernier tissu. Je lance le scan. Je vois que je suis en coton. Pour moi, ce pull, c'est du coton. On va vérifier. Il lance le scan. Effectivement, c'est du coton, tout va bien. Aujourd'hui, ce capteur n'est pas présent sur les smartphones qu'on peut venir acheter, mais il permet d'avoir une vision du futur sur des nouveaux capteurs qui pourront arriver dans votre smartphone. Une fois de plus, pour des données de santé, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est bien dans un smartphone, mais je préférerais l'imaginer dans une montre connectée. On parle aujourd'hui du robot Aneka. Je vous avais déjà présenté une première version du robot Aneka. C'était au CES, me semble-t-il, il y a 2 ans. Et là, l'entreprise qui développe s'appelle Engineered Arts, revient avec une version évoluée d'Aneka. Aneka aura plus de mouvements, des mouvements plus fins au niveau de son visage, des expressions qui vont être plus intenses, plus intéressantes, également des mouvements qui seront un peu plus fins au niveau des bras, au niveau de la mécanique, et puis surtout une conversation qui va être assez fluide. Ce qui va être un élément important sur la robotique, c'est la qualité de la conversation qu'on va pouvoir avoir. Et ici, ça semble en tout cas être assez fluide sur la démonstration que j'ai derrière moi. Hello there, my name is Aneka, what's your name? My name is Aurélien. Aurélien? Yes. Hello Aurélien. How are you?
I'm very well, thank you. How are you? I'm very good too, thank you very much. Où est-ce qu'on va venir retrouver ce robot à l'avenir? Eh bien, on peut l'imaginer, je ne sais pas, dans une administration. Les premiers renseignements, en tout cas, elle pourra venir vous les donner. On peut l'imaginer dans un hôpital également. Ça pourrait être une interface, vous guider à tel ou tel endroit. C'est, une fois de plus, une vision du futur assez intéressante au niveau de la robotique. Quelle place vont prendre les robots à l'avenir à nos côtés? Est-ce qu'on les retrouvera vivants à côté de nous? Est-ce qu'ils seront là pour nous aider? On ne sait pas, c'est trop tôt encore pour pouvoir se projeter. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir des entreprises comme Engineered Arts qui a une proposition assez aboutie, qui permet en tout cas de venir apporter des questionnements sur là où pourra aller la robotique dans les années à venir. Si vous rêviez d'avoir un ordinateur totalement transparent, et bien regardez, le rêve est devenu réalité. C'est un concept que nous présente ici Lenovo, c'est un ThinkPad totalement transparent. Regardez, je peux mettre ma main derrière, vous voyez ce qui se passe. Vous me direz, avoir un ordinateur avec un écran transparent, c'est bien beau, sympathique, mais en réalité, qu'est-ce que je vais en faire? Globalement, vous n'en ferez rien tout de suite. C'est une technologie qui est montrée ici, mais on peut imaginer des usages. Par exemple, vous êtes dans un hôtel, vous arrivez, vous êtes client, et la personne en face va taper les informations sur vous et elle veut vous faire vérifier. Au lieu de tourner l'écran et de vous le montrer, eh bien, elle peut activer un mode qui affichera le contenu, mais inversé de façon à ce que vous puissiez le voir. On peut également l'imaginer pour des créatifs. Un créatif, par exemple, je suis là. Eh bien, regardez, j'ai mon stylet et je veux venir reproduire cette jolie plante, ce tournesol que j'ai derrière. Eh bien, je peux venir travailler, dessiner par-dessus mon tournesol. Je peux venir agrémenter le réel. Tout ça, bien évidemment, dans une idée un petit peu réalité augmentée. C'est rendu possible grâce à cet ordinateur. Alors, la résolution aujourd'hui, puisqu'on se parle uniquement d'un concept, on est en 720p. Et autre élément qui est aussi intéressant, c'est que Lenovo a fait le choix de ne pas mettre de clavier physique. On a un clavier virtuel. On peut imaginer différents usages. On peut également venir imaginer dessiner ici et avoir un affichage ici. On pourrait imaginer vouloir configurer son ordinateur de différentes manières. Bref, même si aujourd'hui ce produit n'est pas commercialisé, même si vous n'allez pas le retrouver et pouvoir vous directement l'acheter, ça permet d'avoir une fenêtre sur l'ordinateur du futur avec cet écran totalement transparent. Et personnellement, je trouve ça vraiment bluffant. La voiture de Xiaomi est arrivée. Elle est juste derrière moi. Vous la voyez, elle est en train de tourner dans sa jolie couleur un peu bleutée. Il y a deux modèles. Le modèle qu'il y a derrière moi, c'est le SU7 Max. Ça va être la version la plus puissante. Il existe également une version un peu moins puissante. C'est la SU7. C'est une voiture qui est pour l'instant uniquement homologuée sur le marché chinois, qui devrait arriver en Europe. Puisque la volonté de Xiaomi, c'est qu'on retrouve une voiture de Xiaomi sur toutes les routes du monde. Xiaomi nous annonce avoir repris les process d'industrialisation de Tesla et les avoir améliorés. Leur véhicule est conçu en titane, qui apporte de la légèreté et bien évidemment de la sécurité. Xiaomi nous annonce avoir le coefficient de pénétration de l'air le plus faible au monde. Une voiture très puissante avec un 0 à 100 en 2,78 secondes uniquement sur la SU7 Max. Il y a également un bouton qui est pas mal, c'est le Launch Control. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le bouton rouge, vous avez 20 secondes de pleine puissance. Votre voiture aura le maximum de puissance pendant 20 secondes pour des accélérations absolument incroyables. Quand on accélère fortement, il faut pouvoir freiner fortement aussi avec des étriers Brembo. Xiaomi nous annonce avoir travaillé énormément, bien évidemment, sur la question du freinage, mais également de la sécurité. Puisqu'on se parle d'une voiture électrique, il y a bien évidemment énormément de capteurs. On a un capteur LiDAR. C'est une des grosses différences avec Tesla où il n'y a pas de capteur LiDAR. 12 capteurs ultrasoniques, 11 caméras HD tout autour du véhicule, mais également 3 capteurs millimétriques. Ce qui vous permet d'avoir une vision de votre véhicule à 360 degrés. Les informations vont s'afficher sur le grand écran central de 16,1 pouces. Mais on va également avoir un écran devant soi pour avoir des informations sur la conduite, la vitesse, qui va être activable ou non. Et on l'aura compris, Xiaomi en parle énormément. C'est sa nouvelle expérience logicielle HyperOS qui va être intégrée, bien évidemment, ici, dans leur nouvelle voiture électrique. Votre voiture sera une extension de votre maison, une nouvelle pièce de votre maison. Donc, elle va être intégrée de la même manière dans HyperOS. Puisqu'on parle d'une voiture électrique, on parle également de l'autonomie. Xiaomi nous annonce avoir 800 km d'autonomie et surtout une charge rapide. En 5 minutes de charge, vous gagnez 220 km d'autonomie et en 15 minutes de charge, vous gagnerez 510 km d'autonomie. Une des très grosses innovations qui arrive en 2024 chez Samsung, c'est Galaxy Ring. C'est un anneau, une bague que vous allez mettre à votre doigt et qui va avoir des capteurs pour venir suivre
vos données de santé. Ça va être également valable pour le sport, donc ça va venir vous suivre lorsque vous allez dormir, lorsque vous allez courir, lorsque vous allez manger, lorsque vous allez aux toilettes, lorsque vous allez travailler. Tout l'intérêt de Galaxy Ring ici, eh bien, c'est de se dire, aujourd'hui on a des montres connectées qui nous permettent de suivre notre activité. C'est toujours mieux qu'avoir un smartphone, ça sera beaucoup plus précis, mais tout le monde ne veut pas une montre. Ce que ça laisse présager, c'est que Samsung va être au plus près de vous pour venir suivre vos données de santé, vous aidera au quotidien sur votre santé sans avoir une montre à venir recharger. Si vous ne voulez pas une montre, vous aurez une bague, un objet de décoration qui aujourd'hui existe en trois coloris. On a le noir, l'argenté et le jaune. Je préfère personnellement l'argenté. On en reparlera un peu plus tard parce que pour l'instant Samsung l'a uniquement montré. On ne sait pas à quel moment il va arriver. Probablement dans la deuxième partie de l'année. Peut-être lors des lancements des nouveaux Galaxy Z, Z Flip, Z Fold. Parmi les innovations à suivre de très près, il y a notamment les tablettes avec un écran qui vous permet de voir en trois dimensions sans lunettes. Nubia présente ici sa deuxième version. C'est la Nubia Pad 3D. Deux, vous allez retrouver deux caméras en haut et chaque caméra va venir suivre vos yeux indépendamment pour vous permettre d'afficher un contenu en 3D sans lunettes. Il y avait quelques petits bugs sur l'ancienne version qu'on ne retrouve pas sur celle-ci. L'expérience globale est améliorée, mais je sens une fatigue oculaire, je sens qu'à un moment ça me fatigue un peu les yeux. Pour autant, l'expérience est extrêmement bluffante. Je voyais par exemple là un bateau, je le vois sortir un peu l'écran, mais surtout ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de profondeur. J'ai l'impression que je peux aller derrière à l'intérieur de la tablette, donc ça ressort légèrement et ça me permet d'aller vraiment plus profondément à l'intérieur. Je sais que c'est très compliqué de montrer ça en vidéo parce que au travers de la caméra, vous n'aurez pas du tout cette sensation et vous n'allez pas vous en rendre compte. Là, on le voit, c'est de la santé, il y a de l'éducation. Et bien là, vous voyez, typiquement, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser dans les facs de médecine pour pouvoir venir voir les organes. Là, vous voyez, j'ai le foie qui est en rouge. Je peux venir supprimer le foie, je le vois un peu en transparence. Et ensuite, je vais retrouver tout mon système artériel et mon système veineux. J'ai fait quelques études de médecine il y a quelques années et je puis vous assurer que lorsque je travaillais mon anatomie, notamment au niveau du cœur, c'était compliqué sur un schéma papier de comprendre réellement comment était le cœur, où venait l'artère, où était l'aorte, où étaient les veines, comment elles étaient irriguées. Là, grâce à de la 3 dimensions, eh bien, je viens à l'intérieur, je viens naviguer, j'ai différentes coupes. Donc je trouve cette innovation vraiment intéressante, pas pour tout de suite. C'est compliqué de venir vous recommander aujourd'hui d'acheter un produit comme celui-là parce que vous allez vous fatiguer quelque part un peu les yeux, mais la technologie évolue et pourquoi pas avoir une tablette à la maison ou un téléviseur en 3 dimensions. Seule limite, c'est que ça vient connaître vos yeux et pas les yeux de la personne qui sera à côté de vous. Donc vous pourrez tout seul venir profiter de l'expérience, mais pas à plusieurs. C'est donc une expérience un peu égoïste, mais en tout cas la prouesse technologique est là et ça c'est vraiment intéressant. Je vais vous montrer une innovation qui est vraiment intéressante, c'est sur un smartphone de Xiaomi, c'est sur le Xiaomi 14 Ultra. On va avoir un accessoire, c'est un accessoire photo qui vous permet de transformer votre smartphone en un vrai appareil photo. Sur le Xiaomi 14 Ultra, vous allez venir déposer cette coque qui fait partie du kit photo avec cette partie-là qui servira à venir déclencher vos photos. Elle vient se connecter directement en USB-C. Ensuite, vous venez verrouiller cette partie-là pour être sûr que ça ne vient plus détacher. Vous prenez ensuite votre smartphone en main avec la poignée grip. Ça vous permet d'avoir une vraie bonne tenue de votre appareil photo dans votre main et vous allez retrouver des boutons sur le dessus qui sont très sympas. Ici, vous zoomez, dézoomez. Vous venez ici déclencher la prise de photo. Là, vous déclenchez l'enregistrement vidéo et avec cette molette-là, vous allez venir modifier l'exposition, soit plus lumineux, soit moins lumineux. Regardez là, je viens dézoomer. Donc là, vous voyez, c'est progressif. Hein. J'avance doucement, 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 doucement. Après, je peux aller très, très loin parce que je suis sur le Xiaomi 14 Ultra. Donc on peut aller vraiment, vraiment, vraiment loin. Je viens prendre une photo là, vous voyez, tac, c'est très, très rapide. Je viens déclencher une vidéo et avec ma molette, je viens modifier l'exposition très facilement. Donc en fait, ça permet de transformer votre smartphone en un vrai appareil photo. Et comme le Xiaomi 14 Ultra a une optique Leica, eh bien, vous vous retrouvez avec une expérience photographique pas quasiment complète, mais vraiment totalement optimisée sur smartphone. On va aussi retrouver des bagues de protection, soit en métal, soit cuivré. Et vous avez également une bague pour filtre 67 mm. On peut mettre un filtre polarisant si on le souhaite. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur ici, au niveau de la poignée, vous avez une batterie. Le Xiaomi 14 Ultra coûte 1499 € et le kit photo, un peu moins de 200 €, 199 €. Et est-ce que vous avez vu les 9 meilleurs smartphones de début 2024? La vidéo est là, allez la voir, vous m'en direz des nouvelles.